Coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés. On se retrouve pour la suite de Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Sans plus tarder, c'est parti! Victor Rookwood est mort. Il m'a attaqué alors que je quittais Ollivander avec la baguette du gardien. J'ai dû me défendre. Par la barbe de Godric! Tout va bien? Je savais que vous pouviez vous défendre, je l'ai souvent vu, mais contre Rookwood en personne? Il m'aurait tué après avoir trouvé le dépôt, peut-être même avant. Je n'avais pas d'autre choix. Vous avez raison, vous n'aviez pas le choix. Vous avez fait ce qu'il fallait. Le monde des sorciers vous est redevable. C'est rassurant de vous l'entendre dire, professeur. Je suis prête pour la suite. Très bien. Les gardiens vous attendent. Vous avez accompli toutes nos épreuves, et dans des circonstances que je n'aurais su prévoir. Vous comprenez maintenant pourquoi tout cela était nécessaire. Le porte-au-loin, le coffre, le médaillon, le livre, les épreuves. Nous avions besoin de nous assurer que ceux qui partagent nos capacités fassent le même choix que San, Niam, Charles et moi-même. Maintenant que vous avez été témoin de mes souvenirs, vous comprenez tout ce qui est en jeu. Les gens ne sont pas toujours qui ils semblent être. Mais comme vous le savez, sans lumière, point d'ombre, et sans ombre, point de lumière. Ce n'est pas parce qu'on peut éliminer les ténèbres qu'on doit le faire. Même les sorciers les plus compétents et les mieux intentionnés ne peuvent imaginer les conséquences qu'entraînerait la manipulation de ce qui devrait être hors de notre portée. Ce qui se trouve dans le dépôt ne doit jamais être libéré. Résistez à la tentation de le détruire ou de le contrôler. La magie que vous avez si soigneusement perfectionnée ne doit être utilisée que pour protéger le secret que nous gardons. Vous êtes en possession de la baguette. Vous saurez quand l'utiliser. Notre héritage est désormais entre vos mains. Sûrement se trouver par là. Quête commencée, le dernier dépôt. J'espère vraiment que nous n'arrivons pas trop tard et que derrière cette porte nous attend un dépôt intact. Je l'ai vu lever les yeux au ciel. Vous l'avez vu dans le tableau ou pas? J'espère que les enchantements qui protègent le château fonctionneront aussi contre une attaque souterraine. Je crains que non, mais si ce n'est pas encore le cas, ça ne tardera pas. Avez-vous pu contacter le professeur Weasley? Oui. Avec un peu de chance, elle et les autres ne tarderont pas à arriver. Ils savent où trouver la porte que nous avons empruntée. Nous avons connu pire, professeur. Nous ne devons plus être loin. Nous devons continuer. Ranrock doit être quelque part. Cette foreuse nous barre la route. Nous devons la faire bouger. Je m'en occupe. Un instant. Oh non, faut pas passer par là. Oui, je reviens sur mes pas. Comment il a fait ça? Je vais essayer de prendre un autre chemin, moi. C'est beau. Ah,
Mais comment a-t-il fait ? Veux-tu dire qu'elle sort ? Ranrock ne doit plus être très loin du dépôt. Je crois que vous avez raison, professeur. On ne peut rien faire d'autre que poursuivre les recherches. Lumon ! Écoutez, d'autres gobelins. Karina, c'est l'élève et son professeur. Pour l'instant, ces tunnels ne jouent pas en notre faveur. Nous nous rapprochons du but, professeur. Par ici. Revelio. Gobelins ont réussi à traverser les charmes défensifs du château. Menez-les par là. Nous allons bien nous occuper d'eux. Ils tiendront. Ils sont badass, le prof. Nous allons montrer à cette créature qui commence. Vous arrivez à point nommé, professeur Ekat. Merci. Merci, professeur. De la magie ancienne. Petit cours. Il a pas intérêt à blesser le prof. Va falloir se battre contre eux. Ah.
aide, vite! Elle est belle, waouh! Heureusement que nous sommes arrivés avant Ranrok. Je n'arrive pas à y croire. Dire que le dépôt se trouvait sous le château depuis des siècles. Quand on pense à toute la souffrance qu'il a engendrée, et c'est pour cela que Myriam, Georges, votre ami Lodgok et bien d'autres sont morts. Myriam pensait que cette magie oubliée pouvait être utilisée pour faire le bien. Mais elle ignorait les risques. Elle n'a pas vu ce que les gardiens vous ont montré, ce qu'Isidora vous a montré. Vous êtes désormais responsable du pouvoir de ce secret. Quel usage pensez-vous en faire ? Le garder ici ? Je ne prévois pas de toucher au dépôt. Je suis ravi de l'entendre. J'ai bien réfléchi. Oui, professeur. J'ai passé l'année à essayer de cacher notre voyage à tout le monde, y compris au professeur Weasley. Mais aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû lui en parler, leur en parler plutôt. J'aurais dû leur faire confiance. Les gardiens voulaient que ce secret soit enfermé pour toujours. Combien de temps le garderez-vous ? Les gardiens avaient raison. Utiliser cette magie est bien trop risqué. Elle doit être contenue, à jamais. Je comprends. Et vous n'êtes pas seul. Je ferai tout mon possible pour vous aider. L'arrogance sans borne des sorciers! Les gobelins ont construit ce bâtiment. C'est notre propriété! Assez, Ranrok! Il n'a jamais été à vous. J'avais bien envie de jouer avec ceci. La baguette de Myriam. Si elle leur avait juste donné le réceptacle, tout cela aurait pu être évité. Une sorcière trop fière et imprudente. Vous alliez si bien ensemble. Elle non plus n'a pas su s'avouer vaincue. Je te tiens, Ranrok.
Oh my god. Il a rien de partir au loin là. Je l'ai.
Professeur. Myriam. Myriam, vous aurez adoré, mon enfant. Le monde des sorciers ne pourrait être entre de meilleures mains. Professeur Eleazar Figg, je présume qu'il était très apprécié de nombre d'entre vous. C'était un collègue de longue date pour ses pairs. Son goût pour l'aventure et sa soif de connaissances lui ont valu la réputation de foncer dans l'inconnu, souvent au mépris du danger et sans aucun discernement. Ce qui a eu au moins le mérite de nous donner une leçon à tous. Sa grande passion pour l'aventure ne pouvait être égalé que par son dévouement envers Poudlard. Et envers sa femme, Marie, Myriam, qui nous a quittés trop tôt également. Oui. Oui. Le professeur Figg représentait le meilleur en chacun de nous. Oh, il avait un esprit tellement acéré. C'était un homme très brillant, qui aimait faire des découvertes, et il était d'une loyauté sans faille. Mais c'est sans doute grâce à son incroyable courage que son souvenir restera jamais gravé dans nos cœurs. Car sans le professeur Figg, eh bien, je crois pouvoir affirmer que sans cet homme, nombre d'entre nous, et cette école également, ne seraient plus là aujourd'hui. Ceux qui le connaissaient le mieux savent que nous devons maintenant l'honorer comme seul Poudlard peut le faire, en affrontant avec sagacité, bonté et courage toutes les épreuves qui nous attendent. Ô professeur Figg, vous avez quelque chose à boire ? J'arrive pas à croire que nous avons perdu Figg. Je le connaissais pas aussi bien que toi, mais c'était un homme bien. Je suis content que Weasley ait rendu hommage à Figg. On se souviendra de lui, en bien. J'aurais aimé que la même chose soit faite pour mon oncle. Je me demande s'il y a une chance que Anne accepte de me voir. Sébastien, je ne peux imaginer ce que toi et Anne traversez. Peut-être que tu auras bientôt des nouvelles d'elle. Je l'espère, et je te le ferai savoir. Sébastien, il faut que tu saches quelque chose. C'est à propos de Victor Rookwood. J'ai entendu dire que vous vous étiez affronté près de chez Ollivander. Ça a été un sacré combat, apparemment. C'est vrai, c'est ce qu'il s'est passé. Mais ce n'est pas tout. Juste avant que Rookwood n'attaque, il a dit quelque chose. Les mêmes mots qu'Anne a entendus avant de recevoir un mauvais sort. Les enfants doivent être vus et non entendus. Attends, quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Ce n'est pas un des fidèles de Ranrok qui a jeté un mauvais sort à Anne. C'était Rookwood. Tout est sa faute, depuis le début. C'est impossible. Tout est de la faute des fidèles. La nuit où Anne a reçu ce mauvais sort, on n'a vu que des gobelins. Quand Rookwood s'est allié à Ranrok, ils se sont tous les deux intéressés au domaine d'Isidora.
C'est pour cette raison que Rookwood était là la nuit où Anne a été maudite. Il travaillait avec Granrock. Quand il a vu ta sœur, eh bien, il ne voulait pas que quelqu'un le sache. Alors il lui a lancé un mauvais sort. Elle n'a plus jamais été la même. C'est si cruel. Rookwood n'a eu que ce qu'il méritait. Merci de me l'avoir dit. Ce n'était pas un gobelin. Je te dois des excuses. J'ai longtemps cru que les gobelins étaient nos ennemis. Mais ce n'était pas si simple. Ominis a parlé à Anne. Je me demande si elle me parlera. Je vais aller voir et je te préviendrai quand j'en saurai plus. Ça fait du bien de boire un peu. Oh, c'est beau! Et voilà, mes amis. Une nouvelle journée est en train de commencer. Félicitations, vous avez conclu l'histoire principale de Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, et ainsi complété votre année scolaire. Vos épreuves de buse approchent à grands pas, explorez le monde autour de vous, terminez les quêtes annexes et d'amitié restantes afin de compléter votre guide du sorcier. Et voilà, quête terminée, dans l'ombre de la révélation. Qu'en avez-vous pensé? J'espère que nous... J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit dans la grande salle. J'aimerais te parler. Retrouve-moi dans la crypte dès que possible. Ok. Bonjour tout le monde. Poudlard est en sécurité désormais. Je n'ai jamais cessé d'y croire. Jamais. Bah, tu parles, toi? Mais c'est la première fois que je l'entends parler. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Pourquoi vous attendez en... Attendez, faut que je me mette là alors comme ça? Ah non, c'est Gryffondor, zut. Non, sérieusement, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Je suis content de te voir. Oh, c'est gentil. Sébastien, j'ai reçu ton hibou. Que s'est-il passé? Ominis a parlé avec Anne de ce qu'il s'était passé avec mon oncle Solomon. Elle dit que je dois payer pour ce que j'ai fait. Mais elle ne me dénoncera pas. Elle dit que la culpabilité avec laquelle je dois vivre est une punition suffisante. Je suis désolée. Mais au moins, tu peux essayer de passer à autre chose maintenant. Le problème, c'est que... j'ai perdu ma sœur, ma jumelle, pour toujours. Elle refuse de me voir. Et je la comprends. Je comprendrais aussi si vous arrêtiez de me parler. Vous avez tous cru en moi, et je vous ai tous laissé tomber. Anne a peut-être seulement besoin de temps. Elle finira certainement par te pardonner. J'espère que tu as raison. Je sais que je ne peux pas revenir en arrière, mais je peux essayer de me racheter. J'ai une dette envers toi et Ominis, pour m'avoir soutenu. Ça n'a pas été facile, mais je crois en toi, Sébastien. Je crois en toi depuis que nous nous sommes rencontrés, en défense contre les forces du mal. Cela me paraît si lointain. Merci. Je ne sais pas ce que le futur me réserve, mais je suis content d'être ton ami. Je suis heureux que tu sois à Poudlard. Oh, quête terminée dans l'ombre de l'amitié. Aussi mignon. Je me demandais si tu accepterais de m'apprendre à lancer ce mauvais sort dont tu parlais. Non. Oh, lequel? Mais non. Mais attendez, Seb, je croyais qu'on avait compris que finalement, c'était mauvais tout ça. Je ne pense pas avoir besoin d'apprendre de mauvais sorts pour l'instant. En fait, il a rien compris. À bientôt, alors. Pampan cucu, Seb. Et voilà, je vais arrêter là. Je vous remercie d'être venu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la quête. Je suis impatiente de vous lire, aussi curieuse de savoir ce que vous allez dire et impatiente aussi de partager avec vous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo, de la partager autour de vous. Ça m'aide beaucoup si vous le faites, donc merci infiniment. N'oubliez pas de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, mais surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.